Bon, c'est bien compact. Ok. On va se replacer Mitterrand et on est ensemble. Ok, on va pas aller chercher là-bas. La défense centrale. Ok, dans le domaine aérien, c'est costaud. Quand ça c'est compact, agressif, les seconds ballons présents. Ok, sur le positionnement. Mes milieux, on a un ballon, on vient à l'intervalle. Comme on l'avait fait hier. Ok, on va pas se coller. Leur défense, okay, on est bien entre les lignes. Bon, c'est ce qu'on a à faire pour faire une bonne fin de saison. Ça ne passe pas aujourd'hui, vous avez eu le résultat hier. Ça ne passe pas la rigueur défensive, à la place du ballon. On est travaillé ensemble. Et quand on attaque, pareil, on accompagne. On ne peut pas voir l'équipe qui s'allonge. On travaille bien ensemble, offensivement, défensivement. Et la com entre vous, la bonne agressivité, état d'esprit collectif, on ne pense pas qu'on va pas gagner le match. Ok, tout seul. Regardez l'état d'esprit que vous affichez actuellement. Ok, il y a plus de moi là. D'accord. Et je pense encore mieux. Ok, quand on arrive à la dernière ligne droite. Ok. Je l'ai dit dans les journaux, le mental. Ok. Le mental individuel, le mental collectif. Pour aller chercher. Bien travaillé jusqu'à présent. Là, on arrive à la dernière ligne droite. Il va falloir qu'on soit bien costaud, qu'on fasse une bonne fin de saison. Et ça passe par là. Et là-dedans. D'accord. On lâche pas. On va chercher la gagne ensemble. Et on passe à donner les bons ballons comme on l'avait fait hier. Et punir l'adversaire. Dès qu'on a des situations, on va pouvoir punir l'adversaire. C'est un bien solide derrière. Okay, c'est-à-dire que tout le monde travaille pour bien récupérer le ballon. On va afficher le truc à la vestiaire pour garder bien beaucoup. Donc, positionnement, au groupe, on a un bon truc à jouer, okay, entre le championnat et la coupe. J'espère que tout le monde ait accès là-dessus. Ok les mecs? On se prépare bien et on l'ouvre bien. Pour le Montpellier Hérault, ce match contre les 10e actuels du championnat et puis surtout pour la lutte pour cette 5e place. Nous sommes tout proches de Rennes, de Marseille et de Lens qui a concédé le nul hier face aux Lyonnais, donc c'est pas le moment de se relâcher, c'est le moment de cravacher justement, et c'est ici au stade Raymond Coppa d'Angers. Ce match débutera à 13h et nous le vivrons bien sûr ensemble sur tous les supports sociaux du HSC. À tout à l'heure. On était premier dessus, hein. Allez, confiance en vous, confiance aux partenaires. Ok, lâchez les chevaux. Vous voyez le ballon, vous voyez l'adversaire.
positionnement au milieu pour laisser bon ballon. On s'est toujours bien placé. On va être les premiers dessus. Hein. Allez mec, allez, allez, allez. Continue la série, hein. Allez, petit tour, allez, 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 hein. Travaillez le pressing à l'échauffement là, hein. Vous nous pressez d'entrée là. On est prêts les gars, hein. Allez. Ok, le strap c'est bon dans le bon rang. De calme, d'organisation. Je pense qu'avec le ballon, on doit mieux ressortir, on doit mieux mettre en place notre jeu comme on sait le faire et après, ça va aller mieux. Vous êtes dominé, mais vous tenez ? Ouais, bah, défensivement, on sait qu'on est costaud, il faut continuer. Il faut être mieux organisé pour mieux récupérer les ballons et après pouvoir contre-attaquer et marquer. Joris, c'est. Bon, ben, on va se fendre de le dire quand même, c'est le match des regrets un peu. Ouais, c'est sûr, on a des regrets parce que on rate des occasions devant le but. On fait malheureusement une erreur sur le but. Donc c'est sûr que sur un match comme ça où on était bien en place, on ne peut qu'avoir des regrets. Déroutant, hein, ce MHSC deux visages d'une mi-temps à l'autre. Oui, c'est sûr, il faut être beaucoup plus régulier que ce soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps. Il faut qu'on arrive à garder une organisation. À être précis techniquement sur tout le match, à avoir des combinaisons sur l'ensemble du match. Il faut être beaucoup plus régulier pour pouvoir obtenir de bons résultats. De ton propre avis, Joris, c'est deux points perdus, c'est pas même deux gagnés. Oui, c'est sûr, vu le match, vu les occasions, le scénario, je pense que c'est plus deux points perdus qu'un point de gagné.